J'avais moi toujours dit cette histoire dans cette maison. J'avais toujours dit qu'elle est rentrée tard dans cette maison. Là, voilà la vérité qui sort petit à petit. Tu peux la dire seule. C'est quoi? Que... Oh, j'ai aimé la soirée qu'on a passée avant-hier. Et j'aimerais qu'on la remette car... Qu'un massage à l'huile de rose me manque. Seigneur Jésus, Mbala, je t'ai fait quoi? Mbala me beloudit, je te dois. Mais Choupi, tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Mbala, c'est qui cette fille? Mbala, c'est qui cette fille à qui tu fais des massages? Bon, comme ça, je suis dans une maison avec un expert en massage. Et il ne m'a jamais massé. Mbala, cette fille a quoi sur son corps que je n'ai pas? Ah, tu ne parles pas. Comme c'est comme ça, non? Voilà ce que je vais faire. Je vais te couper ce que tu as entre tes deux jambes là. Comme ça, tu vas moins faire le malin dehors. Couper quoi? Tu es folle? Que ce soit la dernière fois. C'est quoi ce genre d'idée? Tu veux couper ton temps, mais ça va pas, me fie-toi. Ben là, je me tue. Je fais des efforts pour te satisfaire dans cette maison. Mais le merci que tu me rembourses, c'est parti chercher les femmes dehors. Tu n'as pas honte? Ouais, bébé, je ne vais pas chercher aucune fille dehors. Ouais. Ma copine, il y a quoi? Je t'entends crier depuis le portail. Ma soeur, tu tombes à pic. C'est Dieu qui t'envoie. Comme ça, tu vas m'aider à couper ce que Bella a entre ses deux jambes. Explique-moi d'abord parce que je ne comprends pas. Il y a quoi? Il n'y a rien à expliquer, c'est à ce malentendu. Pardon. Tu te rends compte? Je vis dans une maison avec un masseur professionnel. Il ne m'a jamais massé. Tout ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de partir masser les femmes dehors pendant que je suis chez lui. Je savais. J'ai toujours dit que ton gars, c'était louche. Je savais. Ma copine ne pardonne pas. Avec son nez comme poulie hippopotame. Ma copine vient avec un couteau bien tranchant. Quand je disais que ton gars, ce n'est pas simple, tu ne me croyais pas, non. On va te castrer. Coureur de jupons. Ma copine vient avec le couteau. C'est quoi? Maman, tu avais rendez-vous avec mon homme. Tu veux couper quoi? Je, maman, je vais seulement t'aider. C'est toi qui vas souvent me faire déstresser. Tu vas souvent me faire sentir bon. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas sortir de chez moi. Le jour ou l'année que tu vas te mettre en couple, tu vas revenir, on va parler. Sors de chez moi. Libère-le chez moi. Sa robe. Choupi, je t'assure, je n'ai du cul pour toi. Hein? Je ne veux aucune femme. Regarde, mon cœur bat pour toi. Regarde, bidim. Bah là, c'est faux. Je n'aime pas le mensonge. C'est faux. Je n'ai pas dit. Elle a encore écrit. Je suis désolée, je me suis trompée. Voilà. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et là, tu veux couper ton temps, n'est-ce pas? Tu vois maintenant? Non. C'est pas possible ça. S'il te plaît, je suis désolée. Ça va. Bon, on part dans la chambre. Hein? Je connais comment tu vas te faire excuser. Avec un bon massage. D'accord, je te fais un massage à l'huile de papaye. D'accord.